some people on that were ungrateful. Yeah. I done held some bitches down that were unfaithful. Leaning, pouring syrup, no maple. Through foundation music, got that money on the table. Bizarre, je comprends pas. Bon, j'ai baissé le son, de toute façon, pas de risque. Alors, blindage. Ouais, non, bah merci. Merci d'avoir répondu. Un de course, pare-choc avant. Couleur à couleur 2. Séparateur vissé. Ouais, va savoir, je sais pas, c'est curieux franchement. J'irai voir plus en détail ce soir. Ok. Diffuseur arrière. J'ai vu, Lucas, j'ai vu. Mais de toute façon, on le sait déjà ce qu'il y a. On a vu une bonne moitié des véhicules, il doit en rester 2-3 qu'on n'a pas vu. Ouais, on verra. Échappement chromé. Double échappement chrome. Double échappement carré. Double échappement carré chromé. Comme ça. Calandre noir, chromé. Inversé noir. Inversé chromé, requin noir. Requin chromé. GT noir, GT chromé. Ok. Klaxon, on s'en fout. Éclairage, je pense pas qu'il y ait quelque chose de nouveau là, non. Motif, on verra après. Garde-boue, bavette couleur 1, couleur 2. Bavette noire. Je suis pas fan des bavettes. Non. Plaque d'immatriculation, jaune sur noir. Ils ont pas rajouté de peinture caméléon par contre non plus. Ok. Bon, on verra après. Couleur secondaire, c'est quoi? Ah ouais, mais du coup ça m'a mis que l'arrière et pas l'avant. Un peu chelou là. Couleur finition. Ah ok, toi. Hop. Perf en carbone. Ok, GT couleur secondaire en carbone. De toute façon, s'il y a un motif, on le verra pas. Donc, putain, mais j'ai un souci les éclairages ou je vois que dalle, con. Bon, on n'a pas des pièces quand même un peu complètement dingues quand même pour le moment, c'est pas la folie non plus. Hein. Parateur de rue. Hein, course. Séparateur GT. Est-ce qu'on a comme aileron? Ouf. Ah oui, celui-là il est pas dégueu. D'accord. Je m'attendais pas à des ailerons aussi fat pour cette voiture. Oh la vache. Ah oui, c'est un sacré aileron ça.
falloir attendre. Fugolbu. Ok, Edmast. Étoile de feu. Troisième œil percé. Ouais, on va éviter de la baisser celle-là. Transmission de course. Coffre. Ah, ok. Oui, il y a des nouveaux vêtements, King Rose. Ah, celui-là, il est sympa. Mais t'as pas fait le truc encore? Mais oui, tu l'as même pas fait, toi. Vampire classique, donc c'est pas le vampire qu'il y a dans la boîte, ça. C'est la nouvelle Lampadati. Tatouage du utilisateur. Ouais, l'arrière. La mort arrive, il est où? Ah, il a mis. Ok. Amélioration des pneus, preuve des balles, fumer des pneus, y'a rien de nouveau, non. Vitre. Parce qu'on voit le moteur un peu, ouais, donc on voit pas trop le teinter. Tac. Non. Comme ça. Merci. Ok, bon. Il reste juste les motifs. Bande basse. Ah ouais, c'est un double ton. Waouh. Ok. Bande course blanche, ok. Bande course noire. Large blanche. Ok. Large noire. Ah, j'ai trouvé ton tatouage. Là. Oh! Oh, il est sympa celui-là. Bank of Main Mash, là, il est vraiment sympa. Bank of Liberty, d'accord. Hein? Il faut que t'ailles le voir. Course Lampadati. Ouais, pas mal. Camouflage armé. Ceux qui aiment bien les voitures avec les motifs comme ça, bah voilà. Ils nous avaient une nouvelle. Ah, donc là, on a les deux motifs qu'il disait hier. Donc, montage graphique. Celui qui avait avec le GTA Plus à côté en haut à gauche. Voilà. Et le géométrique. Qu'on voyait avec de face, comme ça, tac, on la voyait comme ça. Ok, ouais, il est sympa celui-là aussi. Ils sont pas dégueux les deux, je trouve. C'est un style. Bon, allez, on va mettre celle-là. Tac. Bon, bah voilà. On a fait la voiture. Donc, voici la Lampadati Corsita Full Custom. Voilà ce que ça donne. Les véhicules bénis sont pas dispo pour le moment, Socrate. Ils les ont pas mis. Voilà. Ok, bon. Bah franchement, elle est pas dégueu. Elle a une bonne allure, je trouve. Elle est sympa. Allez, petit test vite fait.
Alors désolé, ça sera un petit peu de nuit parce que j'avais oublié de le rig pendant le live quand je l'avais testé. Donc on va juste aller la pousser un peu sur l'autoroute vite fait, que vous voyez un peu ce que ça donne. Ok, allez, voilà. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté quand même un peu de circulation. Hein. Parce qu'il y a des endroits, ça quand même, ça bouge pas mal. Hein. Je sais pas si vous avez cette sensation aussi, mais... Ah, c'est des endroits où d'habitude je pouvais taper des points de sans trop esquiver les voitures, et aujourd'hui, depuis l'arrivée du DLC, vous voyez, c'est le bordel. Je suis obligé de faire des écarts, du coup on perd de la vitesse. Faudrait que je le fasse sur l'aéroport, mais l'aéroport je trouve qu'il est trop court. Ouais, 133 mph. 132. 136. 136, ça a l'air d'être la grosse vitesse de pointe. Bon, ça va, elle se traîne pas, hein, cette petite Lampadati Corsita. Elle est pas mal du tout. Hein. Alors, vous l'avez remarqué, je sais jamais si on dit Corsita ou Corsita. Alors, je sais pas. Franchement, dans tous les cas, ça se dit, dans tous les cas, donc voilà. Voilà les amis, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire de ces customs, de ce véhicule. À lâcher le pouce du soutien, c'est très important, et pourquoi pas vous abonner en activant la cloche des notifications pour pas rater les prochaines vidéos custom, parce qu'il y en a encore plein d'autres qui arrivent. La Greenwood, il va y avoir vite fait, on va montrer l'hélico aussi. Et puis bien évidemment tous les véhicules qui ne sont pas encore disponibles, je suis en train d'y préparer sur mon PC, ça devrait peut-être arriver ce soir ou demain, au plus tard. Et je vous dis à très vite sur TGS Rockstar Club pour d'autres vidéos, parce que ça va encore pleuvoir. Ciao!